Hello everyone, welcome to BGS. Video game session 42 is Death Stranding. Oh yeah, we're back, back online. On est de retour sur le continent. Regardez la moto que j'avais complètement esquintée. Là on est au relais qui a été reconstruit, qui nous a permis de rejoindre la ville relais frontière, qui est à l'autre bout. Alors, attendez, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc on est descendu, on a fabriqué un... Attends, on va faire depuis le début. Comme ça sera plus simple. J'ai longtemps erré à la ville relais des montagnes. Je suis resté un bon moment. J'ai fait plein de missions. Une des dernières, c'était retrouver Deadman qui avait fini de réparer le bébé pour qu'il fonctionne. Donc Lou. On est arrivé sur place, il y a eu une déflagration, on s'est fait emporter dans une faille temporelle d'une grève et on s'est retrouvé avec Clifford Unger, cette fois-ci pour un monde Seconde Guerre mondiale, alors que le précédent c'était la Première Guerre mondiale. Hop, on est allé jusqu'au laboratoire de Hartman qui nous expliquait que lui cherchait sa famille dans une grève depuis des plombs. Il a fait plus de 50 000 voyages, en bref, c'est un gros délire. Parce qu'il se fait mourir pour aller dans la grève et il se fait revivre après, etc. Donc là, on a fait quelques missions. On est allé voir les personnes qui sont le géologue, ensuite on est allé voir le paléontologue, et ensuite on est allé voir la biologie Tevodevo pour retourner voir Hartman, pour ensuite redescendre fabriquer le relais. Le relais spécial qui est ici. Sachant que entre chaque... Enfin, le voyage a été vraiment compliqué. Entre le géologue, le paléontologue, etc., c'était vraiment dur. C'était vraiment pas simple. Parce que j'avais une moto qui avait beaucoup d'autonomie, j'avais beaucoup de matériel, que j'ai perdu d'ailleurs, je crois, en partie. C'était dur de les rejoindre, c'était dur de transporter la bombe antimatière sans tout faire péter, mais j'ai réussi. Et la biologiste Evo-Devo, bah, on a rencontré ici une zone d'échoué, c'était compliqué aussi. Ensuite, on est descendu par là, c'était un échec, donc je suis redescendu par là. On a activé le relais, et ici il y a plein d'échoués, on a rejoint en fait la ville relais frontière qui était ici, qui était représentée par Amélie. Il nous a transporté vers la ville relais frontière, une fois avoir atteint la zone. Pour atteindre la zone, il fallait traverser The Tower Belt. Vous allez me dire, c'est quoi The Tower Belt? Alors, Tower Belt, c'est tout simplement la ceinture de poids qui est ici. La ceinture de poids, vous pouvez remarquer que elle est énorme. Parce que là, c'est de l'eau claire qui coule dans la ceinture de poids. Et ça, c'est la ceinture de poids. Donc, c'est du poids, donc du genre de goudron épais qui a remplacé l'océan. C'est une énorme zone qui a été fabriquée, on pense, par le Death Stranding qui a été augmenté. Enfin, je pensais qu'elle avait été augmentée par X, le rebelle, le terroriste. Mais au final, c'est peut-être pas lui. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Après avoir rejoint la ville relais frontière et activé le dernier relais, on a compris en fait que c'était un piège, que c'est ce qu'il attendait pour fabriquer un nouveau Death Stranding et utiliser Amélie comme agent d'extinction. Parce que certaines personnes qui ont le Dooms, sont aussi des agents d'extinction, c'est-à-dire qu'ils peuvent déclencher un Death Stranding important. Et c'est ce qu'il voulait, il voulait détruire l'humanité, il voulait détruire tout. Fort heureusement, fort heureusement, on a réussi à tout stopper, on s'est battu contre lui, on l'a battu. Du coup, il est mort, normalement, il a été tué par Fragile, qui voulait récupérer le corps, qui récupérer le gars pour s'en tuer définitivement. Est-ce que je peux rejoindre tout le monde avec le câble? Il a beaucoup de batterie, remarque. Mais ça va être compliqué, on va lui aller en auto. Je suis là. Il y a plein de ponts, plein de trucs, mais je sais que c'est compliqué de passer par là. J'ai déjà fait de toute façon. Il n'y avait rien à part des points d'accès difficiles. Donc vous voyez, c'était un sacré voyage. Un voyage qui m'a fait passer plusieurs heures, mais je suis passé d'épisode 6 à l'épisode actuel, l'épisode 10. Il faut dire, c'était compliqué. C'est très compliqué. Alors ça là, c'est un canon. C'est un canon qui peut... Ah, d'ailleurs, il y a peut-être un meilleur dessin.
Mais par contre, l'autonomie est peut-être plus faible. Non, c'est pareil. Les canons savent envoyer du matériel en fait dans une zone précise et alors je sais pas si ça marche. Bon, qu'un gars le mette là, c'est qu'il a réussi. Trop, il aura pas tenté. Si on passe par là, ça te... Mais je suis pas passé par là. Il y a des échelles, peut-être qu'on peut y aller. Faut visiter en train de ça. Pas endommagé. Attendez, je suis... C'est-à-dire... Alors, c'était compliqué de rouler avec les motos parce que... Ouais, elles sont moins... Elle est moins solide, là. Les chroniques d'Aaron, chapitre 5. Puis merde, je vais faire... De toute façon, on n'a pas le choix, faut qu'on retourne. Bon, là, y'a rien. C'est une zone vide. On est bien, ouais. D'accord, donc y'a des trucs à voir. Faudrait qu'on récupère un peu de matos, quoi. Est-ce qu'on termine ? Ah oui, je peux pas savoir tant que j'ai pas refait là. Ce serait bien de faire la dernière portion pour rejoindre la... rejoindre la... la ville le plus vite possible. De toute façon, c'est, une... c'est la mission 10, c'est ça, c'est rejoindre le relais. Alors, Die Hard Man, qui était notre chef, il s'avère que tout ce, que... ce qu'on a fait, vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo, c'était une arnaque. C'était une arnaque, quoi. Tout ça, c'était une arnaque, quoi. Ouais, donc, il y a des choses en point. Il n'y a rien à récupérer. On voit la ville. On voit la ville. C'est fou. C'est un magnifique plan ça. Parce que quand je suis arrivé, je ne voyais rien. Et là maintenant, on voit. C'est vraiment la, la ville Royal Frontier. C'était vraiment une ville, mais complètement de, délabrée, désagrégée. C'était, c'était horrible. On se demande ce qui s'est passé. Quoi. Bah, c'est les streamings qui ont tout détruit. Mais à ce point-là. Ah, une aurore boréale. Bah c'est la première fois que je vois ça. Une aurore boréale. Ah, est-ce qu'on peut passer? Ah ouais, là j'ai dévié. Ah, mais là c'est plat. Enfin plus ou moins. Ah ouais, bah commencez pas les gars, j'ai plus rien. Arrêtez. Faudrait que c'est qui a le plus de matériel là. Paléontologue, c'est plus près le paléontologue. De toute façon, on revient, par où on est passé. Enfin, quasiment, je repasse par là pour voir ce qu'il y a. J'ai pas. Je peux aller voir le camp des mules, peut-être qu'il y a du matériel. Mais c'est tellement compliqué. Là, comme j'ai rien, j'ai aucune arme, je vais pas tenter de gueule. Parce que c'est dur de se débarrasser des mules. Si on n'est pas équipé, je vais vous dire, vous galérez. C'est là, mais j'ai plus rien. Le paléontologue est par là. Alors là, il y a des échoués, je peux vous le dire. Il y a des échoués. Aussi près. Station météo non évitée. Ah, fichier d'espoir, ça m'intéresse. Ah, super, le mec il a fabriqué un petit. Ah,
Péantolé, c'était un des plus compliqués à avoir. Mais non, je veux pas livrer ça. Et c'est relou, hein. J'y allais en plus. Je manquerai pas de refaire appel à vous. Au travail, nouvelle commande. Attendez, je vais faire des commandes livrables déjà. Le drone, on s'en fout. Alors, commande standard. Ouais, de toute façon, le géologue, on va aller le voir. On peut prendre. On va le voir, on peut prendre. Ça, j'irai pas. Ouais, skid kill, on peut le prendre. Et le laboratoire de Batman, de toute façon, on y va, donc on peut le prendre. Ça, j'irai pas. Donc. Qu'est-ce qu'on peut se fabriquer? Un petit CCP. Des poches de sang, on va en mettre 4. Un scroll pour le temps, on va en mettre 2. J'ai plus rien du tout. J'ai plus rien. Je vais pas me faire une info, je me fasse un squelette. Tout est un... C'est doré ou pas? Doré, c'est les plus beaux. Blindage niveau 4 en doré. Il m'en faut 4. Je peux en faire avec 3. Oh là là, c'est la galère. Et dans la cristallité. Attends. Qu'est-ce que j'ai pris des trucs. Qu'est-ce que je porte sur le PSP comme attend des nuits. J'ai pas d'armes. Ouais, 2-3 grenades hématiques et Commande attribuée. Est-ce qu'il y a des matériaux? Moi ouais, c'est des matériaux qui m'intéressent. Il n'y a que dalle de céramique. Allez, vas-y. C'est-à-dire, il fait que ça. De toute façon, c'est un petit voyage qu'on se fait là, je vous le dis tout de suite. On va pas aller bien loin. Mes bottes. Est-ce que mes bottes sont en bon état? Mes bottes sont en bon état. D'accord, bon, ça c'est une bonne nouvelle. On va se faire 2-3 grenades quand même. Il y a un. Oh, le lance-roquette, vas-y quoi. Non, on va se faire des. Le lance-roquette, si je le perds, je vais voir les bouts. Les grenades hématiques, elles sont niveau combien là? C'est niveau 2? C'est même pas niveau 2?
fusil d'assaut non létal. Un fusil d'assaut niveau 4. Allez, on a quelques grenades, on va être que sur une. On a accepté le plus qu'on devait faire. Alors, par où on est venu? C'est le truc, c'est par où on est venu. On est venu par là, d'accord. Donc, faut rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Sam, vous me recevez? Je me suis penché sur le cas de Clifford. Ah, Clifford, c'était un gros délire. Pour résumer, Hunger faisait partie des forces spéciales américaines. Il a pris sa retraite plus ou moins au moment du Death Stranding. Après avoir quitté l'armée, il s'est retrouvé impliqué dans les premières expériences sur les bébés. Mais il est mort avant qu'il ne soit mené à bien. Même si les circonstances de sa mort ne sont pas... Je commence à dire que ces champs de bataille sont commandés au moins en partie par ses attaches. Mais dis bonjour, Deadman. Non, il dit juste ça. La colère, le bonjour, sentiment, les regrets, je suis convaincu qu'il y a un rapport avec les expériences sur les bébés. Ça paraît évident vu qu'il a déjà essayé plusieurs fois de s'emparer de Lou. Ouais. Cliff est obsédé par l'idée de récupérer notre bébé, comme si ça allait lui permettre de retrouver son intégrité. Cette obsession est tellement puissante qu'il a non seulement réussi à s'arracher aux profondeurs de l'enfer, mais aussi à... C'est ça qu'il a... Ouais, j'ai du mal à y croire. Une chose est sûre, il n'a rien d'un échoué. Nous devons faire toute la lumière sur sa mort et découvrir son lien avec les expériences sur les bébés. Mais déjà... Je vais continuer à fouiller. Oui, merci. Je vous tiens. Ouais. Non, mais déjà, Clifford, il est contrôlé par... on a vu Bridget. Alors Bridget Strand, c'était la présidente des États-Unis. Elle est censée être morte, elle avait, je crois, un cancer, enfin elle était en train de mourir. Attendez, je redescends. Du coup, comment on fait pour remonter? Ah, c'est par là, quoi. Elle était censée être morte, et là, sur la grève d'Amélie. Elle était vivante. Alors moi je veux bien, mais vraiment expliquer comment elle fait pour survivre à ça, quoi. Elle était morte. Après qu'elle soit sur une grève, bon, elle était morte. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle s'est retrouvée sur la grève d'Amélie. Mais Amélie l'a vue, et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a poussé. Et Bridget a amené Die Hardman sur sa grève pour discuter avec lui. Enfin, c'est très chelou. D'accord. Je sais pas, mais je trouve ça très chelou. Quoi. Regardez juste ce qu'il y a. Ah, j'ai déjà plus de courant. J'ai un CCP avec moi. J'ai pris le minimum. Il y a des échoués par là. Ça pourrait en être sûr. Il n'y a rien à voir par là, c'est juste un vide. On a même pas traversé d'ailleurs. On a fait le tour, on n'a pas visité cette zone. Je sais pas s'il y a des trucs à voir. Ah, attendez, faut pas que je me plante. Hein. Ah, je fais un petit détour, là. On se pas. Est-ce que ça fait un gros détour, un petit détour? Ouais, non, c'est un petit détour. Faut visiter un peu, mais rien. C'est vrai que cette zone-là, je sais pas ce qu'il y a. Ça, j'ai vu, y'a rien. Mais cette zone-là, je sais pas ce qu'il y a. Alors que là, je l'ai bien visité. Ça, c'est pareil, bah, ça c'est des flancs de montagne, c'est très difficile à atteindre. Mais il nous saoule avec cette balade. C'est ton jeu. Le jeu là, toute la partie là, ça va être de rejoindre le point de départ. Le point où on était. Batterie, mais je sais plus par où fallait aller.
se retaper vite fait. Ouais, c'est moi qui l'avais fabriqué ça. J'ai pas hyper vite pourtant, vous avez vu. Parce que ça sert à rien d'accélérer. Là, il y a des trucs, voilà, va falloir passer par là. C'est un piège. Attendez, faut que je passe, faut que je tourne directement. Faut qu'au flanc, faut que je tourne. Quitte le réseau. Ouais, j'aurais dû tourner avant. Voilà. Ah, masque oxygène, ça j'en ai pas fabriqué. Oh non, il y en a. Oh non. La mauvaise nouvelle. Ah oui, en plus il est pété mon truc. Est-ce que je vais y arriver? Faut que je rejoigne la géologue. Pour ensuite rejoindre Hartman. Ah, je suis obligé de faire un truc de recharge. Il est où? C'est par là. Comment je vais faire pour rejoindre la géologue sans me planter? Faut que je monte ça là, je vais pas y arriver. J'ai pas assez de patates. Céramique. Ouais, c'est bon. On a réussi. Des zones d'échouer là. C'est une zone d'échouer ça. Ouais, c'est une zone d'échouer. Et nous te récupérer. C'est une grosse moto, c'est une petite moto. Ah, c'est la même. Ouais, on va essayer de tout transférer. Thank you.
Désolé, mais moi je te quitte. Et recharge en plus. Poche de sang, du chimie. Ah, biologistez vos dévots. Le paléontologue. Ah oui, j'avais tué des échoués, bah y'en a. Cherchez pas, y'en a. C'est le géologue, hein. Ouais. Je vais faire le canon de CCP, c'est pas grave. Ah, oh, il y a des échoues. Ça, j'ai déjà un boss. Personne pour m'aider, il n'y a pas un gars. Ah merci. J'ai plus rien ici. J'ai plus la moto.
Ah, voilà, en mauvais état. Céramique, où ça fait rêver ça. Je peux pouvoir la porter. Vous avez vu, j'ai un peu le choix. Attends, s'ils ont détruit ça. Non, c'est pas juste. Je
sur le bon chemin, j'y arrive bientôt. Si j'utilise un camion, je vais t'en guérir. Le camion n'est pas fait pour la montagne. Je vais virer tout ce que je peux. C'est bon qu'il y a fabriqué ça. Je reviens de loin. Qui ça? Bon. Au travail. Je vais faire une irène. Les photos de paléontologue. Allez. Non, je prends pas le temps. Je suis lourd de chez loin. Ah, attendez, je suis interpellé. 2 secondes.
C'est pour ça que c'est compliqué de jouer le soir, et oui. Alors attendez. Non, ça j'ai pas envie de... Ah, ça j'en veux ça. J'en ai besoin. Ah, je suis hyper chargé, mais... Je suis désolé, hein, mais te charger comme ça, mon petit, mais... Il est vide. C'est quoi? C'est à qui ça? Il aurait des montagnes et le poulpe. C'est que 2 kilos. Hein. Ouais. Il a des commandes. Attendez. Déploiement. Voilà, comme ça, hop, un bot va faire le boulot. Qui nous dit non, officiellement, je retourne pas en arrière non plus. Non plus, on va avoir Cartman, mais donc c'est 30 kilos. Et je peux pas, je suis à combien? Je suis à combien au niveau des marchandises? 225. Ah, ouais, je suis chargé. Ah, je peux pas accepter une commande de plus. Je suis désolé, mais c'est la vie. Enfin, je fasse demi-tour pour repasser par là. Il n'y a pas une catapulte. Ah si, une catapulte. Esquinté. Ouais, tu dégourdis plus rien, mon pote. Finalement. J'aime bien la balade.
Oh non! Je vais pas faire ça à chaque fois. Je vais m'en sortir. Non mais je vais pas affronter un boss à chaque fois. Ouais, c'est insupportable. Ah, voilà ce qui se passe, il y a des boss tout le temps. On va pas s'en sortir, surtout qu'Artman n'a rien fait. Il n'y a pas de... Il peut pas se planquer. Ouais, j'ai trop de petits points. Est-ce que j'ai une arme? J'ai deux grenades. Oh là là, je... Pas un gars là qui traîne. C'est récupéré le fusil d'action. Ah non létal. Oh là là. Merci. Il va me laisser tranquille, non? Ah, mais si on scotine un boss à chaque fois, on va pas s'en sortir. Balèze. Ça. Oh là là, ça m'énerve. Allez. Je peux ici, moi, ça m'énerve. Thank you.
plus cher. On en a plus cher.
qui est rouge, donc c'est tout qui est esquinté. On se casse. Bon, je vais en arrêter un pilote. Possible, je vais pas me taper 50 fois le boss. En fait, j'ai quelques secondes. Je vais pas me continuer 50 fois. Ça va quoi, y'en a marre. Je vais pas me faire 50 fois le boss. Ça fait deux fois là. S'en sortir autrement. Faut se barrer, ça reste.
quoi. Mais vraiment, par contre, il faut vraiment se casser. Parce que limite, il faudra pas que je revienne chercher les trucs. Et on dort. Là, on se prend ça. Je pensais qu'il y avait le temps. L'alerte, c'est le pire. J'ai tout droit, c'est pas grave. Alors, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, c'est horrible. Et puis ça fait une heure, oh, ça fait une heure les gars, ça fait une heure, je vais devenir dingue. Je suis pas chargé, mais je suis chargé que... Arrête, arrête, mais arrête bon sang. Mais c'est aussi c'est insupportable. Il peut qu'elle de s'arrêter quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien! D'accord.
Je livrerai tout en pire. Ouais, qu'est-ce que je peux livrer avec ça? Bridget là, la sens pas. Je la sens plus du tout. C'est bizarre quand même cette histoire, non? Je peux pas fabriquer. Je vais faire un lance-roquette déjà. Grenade hématique. Il est à où lui? Il est à la montagne? Ouais. Et je sais pas. On a fait le tour. Est-ce qu'on peut retourner voir? Ah non, c'est vrai, ils sont plus là. J'ai oublié. Dans une cinématique, on voit quoi qu'ils sont plus là. Ils sont partis. C'est par là qu'il faut aller. Limite, il faudrait que je sauvegarde. Ok, mais il a pris cher. Comment ça, c'est la cité qui arrive? Ça va être compliqué. Je
suis pas sur le bon choix. Si je tape dans un truc, je pense que... Non. Là c'est compliqué quoi, alors imaginez la suite. Attends, faut que je passe par où quoi. Faut que je passe par là, mais comment je fais? Pourtant le pont, non le pont est de l'autre côté, c'est très bon. Attends, mais je vais descendre, je vais sauvegarder. Thank you.
Singer. J'ai mal joué. C'est joué. Arrête quoi. Comment tu veux t'en sortir? L'électricité ne sont plus assez masse. Arrête. Allez, arrête. Avance. Allez. Il y a pas droit quoi, c'est... Arrête. Laissez vraiment, mais je vais pas y arriver de toute pas juste freiner, c'est quand même reculer. Et voilà. C'est une blague, je peux le mettre. Bon, on va changer les piles. Je vais faire du bruit, là, qui ont gueulé. Vous avez vu le 1h20 de voyage. 1h20 de voyage. 1h20 de voyage. Ah, pour conseiller, oui, tu m'étais. Ça fait un sacré choix. Ok, super.
réussi. Ouais, plein de trucs, super. L'animateur réussi. Montage. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher tout simplement. Allez. De toute façon, plus grand chose à faire. On a fait un chemin, mais de dingue. Un chemin de dingue. Et... Je suis pas près de. Ah, c'est vraiment, c'était un... Vous avez vu le chemin qu'on a fait? De dingue. Allez, on a de dormir, on va se laver. Que l'eau va bien. Bon bah voilà, on a fait le tour. Le mieux que je vous dis, c'est à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que là, c'était du lourd. C'était long. Pff, oh là là. Allez, à bientôt.